C'est important de faire du simu, c'est un peu comme nous pour se préparer au roman, on fait du simu pour pouvoir penser à autre chose, tout ce qui est radio avec les ingénieurs, ou pour régler la voiture, etc. Donc honnêtement, c'est dur parce que je connais pas les commandes, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait, nous en sport auto. Quoi. Pour nous, c'est toujours très intéressant de partager des activités de précision, d'excellence, qui nécessitent beaucoup de rigueur, d'engagement, de professionnalisme, avec des gens qui sont dans le sport de haut niveau, dont tu fais partie. Et donc, on trouve beaucoup de points communs à partager cette passion et ces valeurs fondatrices de la recherche de l'excellence et de la précision avec des gens comme toi. Donc, sois le bienvenu ici. Merci beaucoup. Nous, aujourd'hui, on a fait plein de choses. Hein. Rémi nous a montré un petit peu les installations. On a bien discuté aussi avec Coupe. Et puis, merci Zippo de prendre du temps. Zippo, il va nous montrer un petit peu tout ce qui est imagerie mentale. Donc toute la préparation mentale, quand ils font des vols de précision on va dire. Et c'est vrai que c'est assez frappant parce que nous, avant de monter dans la voiture, souvent on fait aussi beaucoup d'imagerie, on essaye de se rappeler avant de monter dans la voiture tous les virages, etc. Pour les points de frein, pour avoir les bons points de corde, passer à la bonne vitesse, et ça permet de s'échauffer un peu mentalement. Donc c'est. Alors dans le domaine, on va parler du domaine plus particulièrement de la démonstration aérienne. Moi j'ai tiré une expérience des 5 ans passés à la Patrouille de France sur justement tout cet aspect préparation mentale qu'on met en œuvre là-bas de façon systématique avant chaque vol, qui permettent justement de, inconsciemment au final, parce que c'est un travail qui est plutôt inconscient, qui permet au cerveau d'être préparé à ces actions-là. Sans même qu'on en ait conscience. Au final, c'est avec la récurrence, la répétition permanente, toujours la même routine qu'on retrouve dans le sport de haut niveau, notamment chez les golfeurs, c'est de refaire toujours toujours les mêmes actions, toujours les mêmes choses, les mêmes gestes, avant d'arriver justement dans l'action.